Le 22 octobre, à 4h du matin, on a frappé, on a sonné à la porte de l'appartement où j'habitais. Trois fonctionnaires de la Gestapo tambourinaient à la porte et ils disaient: allez, vous prenez ce que vous pouvez porter, vous avez le droit d'emporter 100 Reichsmark, pas plus, ça ne veut rien. On nous a fait descendre dans la rue, il y avait une petite camionnette qui nous a emmenés avec d'autres voisins à la gare. La nuit du lendemain, et 7 des 9 trains sont passés par la gare de Karlsruhe et on nous a entassés là-dedans. Et tout le monde était très effrayé. On se demandait si on allait aller vers la Pologne, comme nos amis polonais qui avaient été expédiés. Eh bien non, au bout de, bon, il faut quoi, 20 minutes pour que les trains traversent le Rhin. Ça, c'est très très simple. Et quand, bon, ça vous l'entendez dans les wagons, vous voyez qu'il y a un pont. Bon, il n'y avait qu'un pont, un grand, important en métal, c'était sur le Rhin. Alors on dit, ben, ça c'est pas possible, on va vers l'ouest, c'est quoi? Bon, on avait déjà parlé de la solution de Madagascar et de trucs comme ça, bon, on ne savait pas. On n'avait aucune idée. Ce voyage s'est poursuivi pendant 3 jours et 4 nuits. Sans manger ni boire, et je passe sous silence pudique les conditions d'hygiène. Je ne sais pas si vous imaginez, 6 500 personnes entassées dans 9 trains, c'était pas la joie. Le quatrième matin, les trains se sont arrêtés dans une petite gare. Je sais aujourd'hui que c'était Oloron-Sainte-Marie, à côté de Pau. Et on a su que c'était les Pyrénées finalement, parce que probablement il y avait parmi nous des gens qui avaient voyagé avant. On nous a fait monter dans des camions bâchés, camions d'aspect militaire, gendarmerie ou garde mobile, ce qui restait de l'armée française. À la ligne de démarcation, les SS, avec force hurlement, nous avaient remis à la police de Vichy. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus vu d'Allemands. Jusqu'en novembre 1942, bien sûr. On nous a donc fait monter dans ces camions et on a fait à peu près une dizaine de kilomètres. Et là, on a quitté la route nationale, les camions ont fait une espèce de petit crochet, il y avait un portail barbelé et des baraques sur une espèce de lande. C'était le camp de Gurs.